Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, pas c'est Marie-Flore. Comme on connaît ces nouvelles années, tout le monde a dit bon Dieu merci, merci. Tout ça fait dans la vie, nous, les années ont changé. Nous disons bon Dieu merci. Ben, nous, belle caille, belle machine, belle madame, belle mari, belle visa, belle résidence. Nous fait bel voyage. Nous fait tout ça que nous avons en rêve, nous. Merci bon Dieu, c'est bien. Mais si j'ai pas moi t'arrêter mais parler avec nous aujourd'hui hein, c'est sujet que dans dévotion que Marie remet parler sous lit en pile et que moi trouvais que c'est vraiment important que nous prenions conscience hein, de situation ça de tout ça qui passait dans la vie nous parce que c'est pas seulement dire bon Dieu merci pour tout bien les faits oui nous en bonne santé oui nous manger oui nous jeune travail nous jeune tout bagaille mais c'est trois points qui c'est trois points banals mais en même temps c'est vraiment important d'ailleurs pour moi c'est vraiment important parce que c'est important pour nous tous dans la vie tout le monde c'est important ces trois points ça aussi premièrement l'eau aller dans trois lettres ou faire pipi deuxièmement c'est l'eau. Excusez-moi pour l'expression, pour moi, des fois, nous traitons, on dit vulgaire, pour les nous caca. Et troisièmement, c'est pour les nous péter. Est-ce que nos gens disent, nous prenons nous vraiment, oui, on connaît, nous qu'on dit, merci mon Dieu, parce que là, nous avons besoin, les pressants, et que nous vivons côté nous, bref, nous sentons nous dégager, nous disons, merci Jésus. Ou bien, si nous avons pipi chaud qui aime, nous investissons plein. Et que nous courons à la toilette, nous pipi. Oh, merci Jésus, parce que nous dégagez nous. Ou bien si nous, nos toilettes pressant là, nous courons, nous cherchons côté là, nous. Vous voyez, nous dit, oh, merci Jésus, c'est bien, nous. Parce que nous soulagez besoin, nous dit, bon Dieu, merci. Bon Dieu, parce que nous satisfait besoin physiologique là, nous satisfait. Mais, question moyen pour nous. Est-ce que nous vraiment prenons temps dans la vie nous, un moment pour nous dire bon Dieu merci parce que vous faites caca bien, merci vous faites pipi bien, merci vous faites péter bien. Oui, c'est banal, mais c'est important aussi dans la vie nous. Parce que faut nous pas arrêter garder sous ça bon Dieu bah nous belle caille belle machine belle petite belle mari belle femme belle bye. Oui c'est bien mais est-ce que nous jamais prenons temps pour nous dire bon Dieu merci Jésus merci Dieu du fait qu'on ferme ou permettre que tout bagage dans moi marche ou permettre que les mal en toilette toute circulation tout intestin fonctionne normalement moi pas besoin aller dans l'hôpital pour mettre un tube pour moi pour mettre un tube avec un sac pour moi pour me faire besoin mais on fait me faire bien sans problème. Est-ce que nous dit bon Dieu merci Seigneur du fait que ou fait pipi bien toute circulation dans vessie dans urètre dans tout partie dans corps qui permet que au caler ou fait pipi pas rien formal ou pas rien douleur ou pas aucun blocage. Est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci pour ça parce que ou pas besoin pour mettre un sac pour faire pipi un sac non ou pas besoin ça.
Parce que bon Dieu permet tout faire le bien sans problème. Est-ce que j'en dis bon Dieu merci pour ça? Oui, ou dis non, ou dis bon Dieu merci, mais pour ça exactement. Est-ce que j'en prends une minute dans la vie pour dire bon Dieu merci pour ça? Hein? Parce que, et aussi, troisième point, c'est là que, ouais, ou vie retourner. Ou bien, des fois, lorsque nous gênons pour faire péter, ou que je vais vous faire mal élevé, à le chita devant mon algrène péter. Mais des fois, pas gêner pour péter. C'est une grâce, bon Dieu, faut qu'à péter. Quel monde qui pas qu'à péter, c'est un gros problème. Faut aller faire une gros opération pour être gaz en dedans. Est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci pour ça? Est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci du fait? Est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci pour ça? Pour dire bon Dieu merci parce que mon pété, je n'ai pas besoin d'aller chier dans un hôpital, à coucher dans un hôpital pour pomper, retirer le gaz dans l'opération. Ou pété, je ne sais pas comment on retire là. Ou pété au pays pour caca. Ou dit bon Dieu merci. Nous connaissons, nous dit bon Dieu merci pour belle caille, belle machine, belle maison, belle voyage, belle résidence, belle visa. Mais c'est trois choses banales en même temps importantes. Hein? Yo banal, yo important. Faut nous dire bon Dieu merci pour ça. Parce que là, nous-mêmes, nous toujours prenons tout bagaille. Tout bagaille pour comme à qui pour à qui est-ce que nous j'en réfléchis chita ou bien dans la prière nous on nous prier nous dit bon Dieu merci ça me pas nous pas manquer dit bon Dieu merci nous dit bon Dieu merci tout jour pour protection pour tout mais trois choses banales ça yo est-ce que j'en les banales et importantes est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci pour ça. Est-ce qu'on prend le temps pour dire mon Dieu merci pour ça? C'est une réflexion ça que moi j'ai besoin de partager avec nous. Parce que moi-même, tout des fois, m'arrêter moi, on dit waouh, mon Dieu grand. Mon Dieu grand. Mon Dieu grand, pour faire tout ça dans la vie. Ma fonctionne bien, par contre, il y a un qui fait mal. Soit je me dis fait mal, c'est douleur. Là, le travail, ou ma chauvire, ou on fait tout bas. Douleur travail, mais qui douleur bien pour m'accoucher sous comme un hôpital? Bon Dieu, fais-moi grâce. Faut qu'on ka... dis mon Dieu merci. Faut pas peur, dis mon Dieu merci. Il faut qu'on prenne tout petit détail dans la vie. C'est pas ou garder ou succès ou dis bon Dieu là, merci. Faut commencer à compter tout petit détail dans la vie ou petit détail dans santé ou comment que bon Dieu prend soin ou bon Dieu protège ou bon Dieu prend soin ou c'est à partir de tout petit détail ça yo pour commencer à dire bon Dieu merci Seigneur merci mon café pipi bien fluide mon canne caca mon café mon canne toilette mon fait caca fluide mon capété fluide. Et pour nous dire, bon Dieu, merci pour ça. Merci. C'est tout ça que je vais vous pour nous aujourd'hui. Hein? Et que moi, je vais nous faire une petite réflexion sur ça. Le nous lever le matin, pas juste dire, bon Dieu, merci pour nuit là, merci pour journée, merci pour tout. Mais réfléchir, mais aller chercher ces petits bagailles. Ti piti ba ki passe en dan nan tout konn ti piti yo ti detay yo pou nou di bon Dieu merci pou sa. Merci Seigneur du fait que moi fait mes trois les bien. Yo pas besoin ban moi suppositoire ou bien y a ban moi laxatif ou bien ou met un sac pour moi pour uriner parce que le pas ka passe bien pour caca parce que le pas ka passe bien. Pas besoin mettre tout bagay sa yo. Merci Jésus. Est-ce que j'en prends temps pour dire bon Dieu merci pour trois choses banales et importantes dans la vie de chacun de nous? Merci Jésus. Est-ce que j'en prends temps pour remercier le Seigneur Jésus pour trois choses que nous trouvons banales mais qui sont importantes dans la vie de nous? Parce que si nous n'avons pas marché, c'est un gros problème.
Nous toujours penser si nous poumons, nos cœurs n'ont pas marché, si le cerveau nous bien en bas n'a pas marché. Mais est-ce que nous jamais penser de trois choses ça? Trois choses ça. Merci. C'est une réflexion ça que moi t'ai besoin. Moi t'ai besoin de partager avec nous, qui n'est pas sorti de moi-même directement, qui c'est un sujet que Marie m'a traité. Donc moi t'ai voulu partager là avec vous. Merci, bye bye.